Bonjour à tous, nous revoici revenus donc dans la troisième zone sur Metroid Dread. Maintenant qu'on a la boule morphing, on va se débloquer un nouveau chemin. Mais pas par ici. Alors par où? Oh la vache, ça repousse loin ça! Ça repousse très très loin. Par où aller? On va déjà sauvegarder vite fait maintenant qu'on est dans la nouvelle zone, que j'ai pas tout le chemin à me retaper. Mais la suite était par ici. Ah, sauf que... Comment j'y vais? Ah bah on va aller voir dans la zone Amy. Non. Oh les boules. J'ai cru qu'il allait faire demi-tour. Et en fait, il a pas fait demi-tour, il m'a poursuivi. Ouais, c'est ça, va dans l'autre pièce. Hop là. Oh merde. Attends. Est-ce que je peux aller par là maintenant que j'ai la morphing ball là. Oh non mais c'est si rapide que ça? C'est fermé, va ailleurs. Voilà. C'est par ici quoi. Il doit y avoir un trou, il doit y avoir un moyen d'accéder à ce téléportail là parce que c'est une pièce fermée. Il doit y avoir... On va y aller, je dois pouvoir creuser le trou. Et là, blindage rayon large, bah je peux l'ouvrir maintenant si j'arrivais à aller dans ce couloir là. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Je pense qu'il faut retourner dans la toute première zone du jeu en fait. Je voulais pas retourner tout de suite tant que j'avais pas la combinaison qui va dans la lave, mais je vois pas d'autre moyen d'accéder à. Bon. On va retourner dans la première zone du jeu. Et nous revoilà du coup dans la toute première zone. Bon, bah voilà, c'est ici qu'il va falloir trouver une solution à nos problèmes. C'est ici qu'il va falloir trouver où aller. Alors, à partir de là, est-ce que je peux aller en haut? Déjà ça, est-ce que ça me remet point de vie? Oui, parfait. Déjà, on se remet bien. Et non, je pense pas que je puisse sauter là. J'ai rien qui me permette encore d'arriver en haut. Ok, donc on va commencer par explorer la gauche de la map. Donc ici c'est bon, on a tout récupéré. Là j'ai pas accès, c'est trop haut. Peut-être faire une sauvegarde quand même pour éviter de me, si je meurs, pour éviter de me retaper tout le chemin. Déjà là j'ai un energy tank, alors ça, ah non pas un energy tank, un module d'énergie, ça m'en fait 2 sur 4, plus que 2 et j'aurai un energy tank supplémentaire. Du moment que j'ai pas eu de vrai boss en plus, on en a eu qu'un seul pour l'instant. Alors ça, je pense que ça c'est les super missiles qui ouvrent ça, je pense. Ouais, pour l'instant ça me le dit pas, mais... Euh...
Ouais, ok. Alors, comment on y accède à ça? Bon, on verra plus tard. On va rediriger l'énergie. On verra bien ça, où ça nous mène. Ah! Ah! Bah du coup super, j'aurais peut-être dû aller là d'abord en fait. Ah merde, 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 mais du coup c'est toute la zone qui est... Mais je suis mort? Bah j'ai bien fait de sauvegarder. Attends, attends, je comprends rien à la map là. Je ne comprends plus rien à la map. Ah non, ouais, mais... Moi, je veux bien, mais... C'est compliqué, là. J'avais plus de vie. Bon, en tout cas, maintenant, je sais. Si ça me ramène avant, je vais pas lancer tout de suite l'event. Je vais d'abord aller dans la porte. Ouais, voilà, ça me ramène juste avant. On va d'abord aller voir ce qu'il y a là. Avant de tout cramer. Ah merde, je peux pas y aller, c'est la lave, ok. Bon, bah let's go. Maintenant, on sait qu'il faut fuir. Et vite. Merde, putain, trop vite. Oh. Alors, la run no hit, pareil dans les speedruns, j'attends de la voir. Hein. Allez, redonnez-moi de la vie un peu, là. Mais non, j'ai pas accès là-bas, il y a une porte spéciale. Ah, nouveau pouvoir. Les bombes morphing. Ou les bombes thermonucléaires. Ah non, la nouvelle combi. Ah yes, la Varia Suit. Vous noterez mon magnifique accent anglais. Réduit les dégâts infligés par les attaques ennemies et protège Samus de la chaleur extrême. En revanche, ne protège pas du froid extrême ni de la lave. Ouais, donc maintenant, je peux aller enfin dans les zones chaudes. Et augmente en plus les dégâts un petit peu de la frappe de course. Bon, bah cool, ça y est, le feu ne nous fait plus rien. Bah là du coup ça nous débloque énormément de zones. Et ouais voilà, maintenant ici là on craint plus rien là. Oh ça touche là ? Vraiment. Alors là par contre c'est la lave là en dessous. Donc je pense que je prends du dégât quand même. Hop, ok. On sort tout de suite, on sort tout de suite. Allez, 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 allez. Hop. Allez, c'est bon. C'était juste, mais ça passe. Bon, ici, c'est là où j'étais à l'instant, quand tout a pété. Alors est-ce qu'il y a des trucs cachés? Est-ce que la map elle brille? Non, donc a priori c'est bon, on a tout fait là. Donc là on peut tout redescendre.
peut tout redescendre. Et maintenant, la topographie ici des lieux a changé, donc j'ai peut-être accès au missile. J'ai peut-être accès au missile maintenant, là. En tout cas, là, ça m'a donné une grosse réserve de missiles. Là, on se met bien. Oh, wow, 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 wow. Là, il y a la lave. Là. Par contre, là, faut faire gaffe, j'ai plus beaucoup de vie. Là, faudrait vraiment que je récupère de la vie d'une manière ou d'une autre, quand même. Ah, ok, bah c'est bon. Ça m'a ramené là, au début du niveau. Bah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Par contre... Ah ouais, mais j'ai pas le choix du coup maintenant. Je suis obligé de retourner dans la deuxième ou troisième zone en fait. Parce que du coup, il me bloque l'accès ici maintenant. Putain, j'aurais dû explorer d'ailleurs... J'aurais pas dû aller par là, j'aurais dû explorer le reste d'abord en fait. Ah, bordel. Parce que je me retrouve de nouveau bloqué. Je me retrouve de nouveau bloqué. Alors, à partir d'ici, il faudrait que j'aille dans la zone au-dessus, là. Donc, je ressorte par la droite et que je remonte pour faire d'abord la petite zone ici, là. Parce que là, il y a toute une grosse zone à faire. Donc, on va d'abord aller faire la zone au-dessus. Bordel. Voilà, donc là maintenant, j'ai accès à la zone ici, là. Super vitesse, donc pour l'instant, je peux pas aller récupérer ça. Ici, je suis bloqué pour l'instant. Je saute pas assez haut pour choper la plateforme là-bas. Donc, c'est pas pour tout de suite. Là, la porte elle est bloquée en plus. Portail orange sera pour bien plus tard, j'imagine. Je pourrais aller récupérer les missiles, mais bon, c'est faire un grand tour juste pour deux missiles. Alors que là, ce sera bien plus tard qu'on y ira. Donc, on va retourner en bas. On va retourner en bas là, ici, dans toute cette zone là. Il me bouffe en missile cela. Parce qu'on verra Kraid ici, gardien des zones de lave, peut-être un petit Ridley. Oh merde.
Oh, la belle parade que je lui ai mis. Ah, même pas peur, que je lui ai couru dessus au corps à corps. Bim, parade. One shot. Oh, ça pue tellement les secrets cachés dans la lave, dans les petits coins, là. Et je perds tellement de vie à aller dans la lave que j'ai vraiment pas envie d'y aller pour l'instant. Là. Si j'arrive à être sûr et à le débloquer... Non, c'est trop caché. Ok, donc là, pour l'instant, je peux pas y aller. Allez, ouvre-toi. Allez. Et alors ça, en général, les yeux comme ça sur les portes, c'est des portes de boss. D'habitude, les boss sont juste derrière. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est un peu perturbant, du coup, quoi. Bah, je viens de là, en fait. C'est quoi le délire, là? Bon, je vais pas me risquer à aller dans la lave en dessous là. Je sais pas pourquoi je peux pas aller passer là directement. Ah. Allez, deuxième boss. Ouais, c'est ça, comment il s'appelle C'est pas Kraid, c'est Oh, je sais plus. J'ai oublié son nom. Normalement, faut lui tirer sur la tête et puis il ouvre la gueule. Mais... Aïe. Ok, je pense que c'était qu'une première phase, vu qu'il est attaché. À mon avis, il est pas aussi facile. Les plateformes avec son ventre. What? Le truc, je suis sorti dessus, il se détruit pas, quoi. Ok, bon, j'ai perdu un peu beaucoup de vie au départ, là. On va essayer de faire ça un peu mieux. Ok, phase d'une quasi parfaite. Oh merde, j'ai pas réussi à me mettre en boule, quoi.
c'est juste ça quoi. J'ai vraiment juste à mettre en boule et ça passe. Oh merde! Ah, j'aurais pu mettre un contre. Oh merde, ça m'a touché vraiment. Ok, là on est pas mal. Oui. Oh yes. Ah ouais, là la parade t'as pas aimé là. Hein. La parade t'as pas aimé là. Hein. Ah putain! Alors, ouh! Boss très sympathique, ma foi. Ok, bah c'est là qu'on va avoir le tir qui traverse les murs, je pense. Rayon dispersion. Ce qu'ils appelaient le wave beam avant, je pense que c'est ça. Permet au tir de rayon de charge d'exploser à l'impact. Ah non, ça explose, ça traverse pas, ça explose. Ah si, l'explosion traverse les parois un petit peu, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est encore autre chose en dessous, là. C'est encore autre chose. Mais je vois pas comment on pourrait y aller. Par un autre côté, sans doute ici, là. Du coup, ça résout mon problème de l'endroit qui était inaccessible sur l'autre map. Ah, et puis eux, ça va les toucher dans leur trou là. Ouais, c'est ça. Ouais, eux, ça les simplifie considérablement là, du coup. Alors là, celui-là, il est un petit peu loin. Ça va être depuis l'autre côté, je pense, qu'on y accède. Et là, c'est un petit peu loin, là, faut faire le tour. Ça fera un raccourci plus tard. Ok, bon. En tout cas, bon, après ce boss-là, je vais arrêter cette petite vidéo-là pour YouTube. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.